Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire un petit poussin au crochet. Donc ça, c'était le modèle que j'ai fait avant d'entamer le tuto. Donc je vais faire le même, avec remplacer ici le jaune. La partie du bas, on peut l'enlever, comme ceci. On peut le reposer dedans. Et vous pouvez, pour celles qui ont fait le coquetier, vous pouvez simplement faire que la partie du haut. Comme ça, vous pouvez les mettre carrément dans les petites coques tout autour du coquetier. C'est super joli aussi. Donc ça, c'est, je vais lui faire un petit frère ou une petite sœur. Alors, pour réaliser ce joli petit poussin, vous aurez besoin. Donc, je vais remplacer le jaune de la coque par du blanc. Mais vous mettez les couleurs que vous voulez. Le jaune pour le petit poussin. Du rouge pour faire ces deux petits tours ici, plus le bec. Et pour les yeux, j'ai repris du coton mercérisé qui est très fin. Tout ça, je vais travailler avec le crochet numéro 3. Et celui-là, je vais le travailler avec le crochet numéro 2 pour faire des tout petits yeux. Vous aurez aussi besoin donc d'un petit repère parce qu'on va travailler en spirale. Vous aurez besoin de colle juste pour les yeux et pour le petit bec parce que j'ai bien essayé de les coudre. Mais alors, catastrophe, je ne suis pas arrivée. Donc, j'ai collé le bec et les yeux. Et vous aurez également besoin de la ouate. Alors, on va démarrer. Je vais commencer par vous. On va commencer par préparer les petites parties, donc les yeux, le bec et les ailes. C'est le plus rapide à faire, donc on va faire les petites parties qui vont dessus. On fera le poussin après et sa coque après. Alors je vais commencer pour le bec, moi je l'ai fait en rouge. Et on va commencer par faire notre cercle magique. Vous positionnez bien votre fil dans ce sens-là. Vous faites le tour de votre doigt. Vous passez avec votre crochet dans le fil, vous ramenez le fil à vous. Ensuite, vous faites une première maille serrée pour fermer le cercle. Là, maintenant, on peut retirer notre doigt. Logiquement, ça tient. À l'intérieur, ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus pénible à faire. Alors, à l'intérieur, on va simplement faire 4 mailles serrées. Donc, vous rentrez bien dans votre cercle, vous ramenez votre fil, un jeté à travers les deux boucles, ça nous fait notre première maille serrée. Dans le cercle, on ramène le fil, la deuxième maille serrée. Cercle, on ramène le fil, la troisième. Cercle, on ramène le fil, la quatrième. On a 4 mailles serrées. On va tirer un peu sur notre crochet. Reprendre le fil que l'on avait laissé au départ et tirer dessus pour fermer. On ne va pas trop tirer non plus, on le fera après. Là, on va aller dans la première maille serrée de départ qui se trouve ici et on va faire une maille serrée toute seule. Donc, on va dans la première. La première tour délicate, voilà, on fait une maille serrée. Là, on va marquer la première maille serrée. Voilà. Dans la suivante, donc il ne faut pas se tromper parce que ça tire tellement qu'on dirait que c'est celle-là. Non, c'est celle d'après. Il faut bien qu'on regarde où est accroché notre fil. Donc dans la deuxième, on va faire 2 mailles serrées ensemble. Alors une. On revient dans le même espace, une deuxième. Dans la troisième, on fait une maille serrée seule. Et dans la dernière, on en fait 2. Une. Deux. On enlève notre petit repère. Et là, donc, dans la première maille serrée de départ qu'on a fait, on va simplement fermer avec une maille coulée. J'ai juste mis le repère, c'est pour justement pas me perdre. Là, on fait une maille coulée. On va couper une petite longueur pour essayer de la cacher ensuite. On va faire une maille en l'air de plus. Tirer sur notre fil. Là, maintenant, on va simplement le tordre, donc le mettre l'endroit vers nous.
Je vais bien fermer maintenant mon centre qui va être un peu plus. Ça fera plus la forme du petit bec. Voilà, ça vous donne ça. Donc là, on a fait le petit bec. Ensuite, pour celles qui arrivent, vous pouvez donc avec la longueur le coudre sur votre poussin. Ou pour celles qui sont comme moi, pas douées pour ce genre de petites choses, ben vous mettez de la colle et ça tient très bien. Donc ça, c'est le bec. Alors maintenant, on va faire les yeux. Je n'ai déjà fait un. On va faire le deuxième. Alors, on va prendre le coton mercérisé que l'on va crocheter avec le crochet numéro 2. On va faire notre cercle magique, donc bien notre fil dans ce sens-là. On fait le tour de notre doigt. Avec le crochet, on va chercher notre fil à l'arrière. On ramène. À ce moment-là, on bloque le tout en faisant une maille serrée. On va travailler à l'intérieur de ce petit cercle avec des mailles serrées. On va faire 4 mailles serrées à l'intérieur. Donc une, on rentre dans l'espace, on ramène. 2, on rentre dans l'espace, on ramène. 3, on rentre dans l'espace, on ramène. 4. On tire un peu sur notre crochet. On reprend notre bout de fil. Et on tire dessus. Là, ça va juste être un petit peu plus pénible pour vous montrer à cause de la couleur noire qui ne se voit pas très bien à l'écran. Donc là, vous allez simplement aller dans la première maille serrée de départ. Là, que je ne vois même pas moi non plus, voilà. Non. 4. Dans la première maille serrée de départ, et vous allez tout simplement fermer avec une maille coulée. C'est tout. Voilà. Là, à ce moment-là, vous coupez votre fil. Une bonne longueur pour celles qui vont le coudre. Vous tirez dessus. Moi, maintenant, avec une aiguille à coudre, ou même comme ça, je vais voir, je vais ramener mon fil à l'arrière. Voilà. Comme moi, je vais y coller, puisqu'il n'y a pas moyen que j'arrive à y coudre. Je vais simplement faire un nœud entre les deux. Entre les deux bouts de fil, un tout petit sans trop tirer dessus, et un deuxième. Là. Ensuite, je vais tout simplement couper ces petits bouts de fil qui restent, qui seront cachés ensuite, bien entendu, sous la colle en fait. Quand je vais mettre la colle à l'arrière, ils vont être cachés, comme ici. Ils ne se voient pas du tout. Donc le bec est fini, les yeux sont finis, on passe aux ailes. Alors, pour les ailes, j'ai repris mon jaune avec le crochet numéro 3. On commence toujours par le cercle magique, donc vous faites bien le tour de votre doigt. Vous rentrez sous le premier fil qui ne veut pas bien sûr. Vous ramenez le deuxième à l'avant. Ensuite, on va simplement faire une maille serrée pour coincer notre petit cercle. Et on peut lâcher. Alors maintenant, on va travailler à l'intérieur de ce petit cercle à nouveau, où on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc vous rentrez toujours dans votre espace, vous ramenez votre fil, un jeté à travers les deux boucles. Rentrez dans votre espace, vous ramenez votre fil, un jeté à travers les deux boucles. On en a fait 2. On va en faire 6 en tout. Donc 3... 4, 5, 6. On tire un peu sur le crochet, sur notre fil, pardon. On reprend le fil de départ et on tire. On va fermer le cercle. On reprend notre crochet. Et là, on va aller dans la première maille serrée de départ. La première est rarement facile, voilà. Et dans la première, on va faire une maille serrée. Donc on ramène, un jeté, une maille serrée. Et on va marquer directement la première maille serrée. Alors je vous conseille par la même occasion de prendre ce fil de départ avec vous, comme ça on va le coincer. Donc dans la première, on a fait une maille serrée. On va dans la deuxième et on fait une deuxième maille serrée seule. Donc on a 2 mailles serrées. Seul, dans la prochaine, on va faire 2 ensemble. Donc une, dans le même, une deuxième.
Dans la suivante, on va faire une seule. Dans la suivante, une seule. Donc, on a à nouveau deux seules. Voilà. Et dans la dernière, je vais enlever ce fil. Alors, faites vraiment attention parce que là, vous voyez, on dirait qu'on n'est pas encore à la dernière. Moi, personnellement, là, j'allais faire ma maille ici. Surtout pas parce que ça fait partie de la maille serrée qu'on vient de faire. Mais comme ça tire beaucoup, on peut se tromper. La dernière se trouve ici. Celle-là, on vient de la travailler. Dans la dernière, on va faire deux mailles serrées ensemble. Une. Deux. À ce stade, on peut déjà. En tout cas, moi, je vais le faire parce qu'il me... Ben, vous avez compris, quoi, le fil, là. Alors, ensuite, avant de continuer, on va juste tourner déjà un petit peu. Parce que comment ça se plie dans le mauvais sens. On va le tordre dans le bon sens, donc l'endroit vers nous. Je vais retirer mon petit marqueur, puisqu'on va reprendre un nouveau tour. Et là, on va simplement faire... Là, on va faire, donc... Dans la première, on fait une maille serrée seule. Et on va marquer direct la première. Hop, elle ne veut pas. Une seule. Dans la deuxième, on en fait une seule également. Dans la troisième, on fait une seule également. Donc, on a trois mailles serrées seules. Dans la quatrième, on en met deux. Deux mailles serrées ensemble. Une, deux. Là, on va reprendre la même chose. Trois mailles serrées seules. Donc, une dans la première. Une dans la deuxième. Une dans la troisième. Alors, on le plie au fur et à mesure. Et deux dans la dernière. Une dans le même espace. Une deuxième. Là, on va attaquer le dernier tour. On va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Mais on va quand même marquer la première pour savoir où on va terminer. Là, vous faites simplement une maille serrée dans chaque maille serrée sur tout ce dernier tour. Donc jusqu'à la fin en maille serrée. Quand on est arrivé, donc quand on a fait le tour, on enlève notre petit marqueur. On rentre dans la première maille de départ. Et on finit avec une maille coulée. Alors pour celui-là, pour les ailes, c'est assez facile à coudre. Si j'ai réussi, donc c'est que ça va être facile. Alors je vais couper une bonne longueur de mon fil. Je vais simplement tirer sur mon fil comme ceci. Comme on a déjà coupé le fil de départ, on ne le voit plus. Maintenant, avec une aiguille à coudre adéquate, je vais vous montrer. Là. Avec une aiguille à coudre adéquate, on va déjà coudre ces deux côtés ensemble, juste pour bien le fermer. Alors, vous passez d'un côté, vous sortez de l'autre. Vous passez d'un côté, vous sortez de l'autre. Et on... Voilà, comme ceci. Un côté et vous sortez de l'autre. Encore un petit dernier, voilà. Et vous gardez toujours votre fil, parce que là, on va le garder pour coudre sur le petit poussin. Vous aurez compris qu'il faut une deuxième aile comme celle-là. Donc, on a fait donc toutes ces petites pièces, qu'on les met de côté en attendant la suite, bien sûr. On va... faire la coque. Donc, pour celles qui ne veulent pas faire la coque, et vous passez au moment où je commence le petit poussin, on va faire la jolie petite coque où il est dessus, là. Alors, moi, cette fois-ci, je vais prendre du blanc pour remplacer le jaune, mais je vais quand même garder du rouge. Alors, on va reprendre le tout avec le cercle magique. Donc, à nouveau, on positionne notre fil dans ce sens-là. On fait bien le tour de notre doigt. On va chercher notre fil à l'arrière, on le ramène. Et là, on fait une maille serrée. On peut lâcher, ça tient. Comme ceci. On va ensuite faire, donc, à l'intérieur de ce cercle magique, 6 mailles serrées. Alors, comme à chaque fois, on rentre dans l'espace du côté des deux fils,
on ramène notre fil, un jeté, une première maille serrée. On retourne dans notre cercle, on ramène notre fil, un jeté, une deuxième. Espace, on ramène, une troisième. 4, 5, 6. À nouveau, on enlève un peu notre crochet. On tire sur le fil que l'on a laissé. Et on peut tirer bien fort. On reprend notre crochet. Et là, on va faire pour le deuxième tour, on va doubler toutes nos mailles serrées. Donc, on en avait 6, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Alors, on va dans la première maille serrée, qui, comme d'habitude, est la plus pénible. On ramène notre fil. C'est toujours bien serré, la première. Oh, pas, non, non, non. Et on fait une maille serrée. On marque directement la première. On retourne dans le même espace. Et on fait une deuxième maille serrée. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées également. Dans la suivante, 2. À la fin, vous devez avoir 12 mailles serrées. 2. 1. 2. 1. 2. Et les deux dernières. 1. Et 2. Donc logiquement, là, on en a 12. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pour le prochain tour, qui va être le troisième tour, on va faire. Dans la première, on fait une maille serrée seule. On marque la première maille serrée. Dans la suivante, on en fait 2. Une. On revient dans le même espace, une deuxième. Dans la suivante, on en fait 1. Dans celle d'après, on en fait 2. Vous allez doubler une maille serrée sur 2 sur tout ce tour. Donc, une fois une maille serrée, ensuite 2 mailles serrées. On a terminé notre tour de cette façon-là. Pour le prochain, on va faire 2 mailles serrées seules, une augmentation. Alors, on va dans la première, on en fait 1. On prend le repère et on marque la première. Donc, on a fait une seule. Dans la suivante, on fait une autre seule. Ça fait 2 mailles serrées seules, 2 ensemble. 1, 2. Ensuite, une seule. Une deuxième seule et 2 ensemble. Une, on revient dans le même espace, une deuxième. Et vous allez répéter ce procédé sur tout. Pour le tour suivant, je vais essayer de vous expliquer, enfin de montrer les deux premières fois, parce qu'après ça va de nouveau prendre trop de temps pour vous. On va faire, donc, dans la première, une seule. Ce tour-là, on va faire 3 seules et 2 ensemble. Donc on a fait une seule. Dans la suivante, on fait la deuxième seule. Dans la suivante, la troisième seule. Dans la quatrième, on en met 2. Une, même espace, 2. On refait 3 mailles serrées seules. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on en met 2. 1, 2. Et vous allez répéter ce procédé jusqu'à... Alors moi, c'est à ce moment-là que je vais changer la couleur. Quand je suis arrivée... Donc là, je vais déjà couper mon blanc. Vous n'êtes absolument pas du tout obligé, hein. C'est vraiment optionnel. Je coupe le blanc, je laisse quand même une bonne longueur. Je prépare mon rouge. Moi, personnellement, quand je change la couleur, donc ici, on voit que j'ai fait mes deux dernières mailles serrées ensemble. Je vais finir ma dernière maille serrée, mais avec la nouvelle couleur. Donc, je prends la nouvelle couleur, je ramène à travers le tour. Là, on va tirer un petit peu sur le blanc. Ensuite, on va le coincer le blanc avec nous. Il va nous suivre celui-là pour pas qu'il bouge. Parce que là, ça ne va pas le faire. Pour le prochain tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, vous marquez toujours bien la première maille serrée. Là. Et là, vous allez simplement, tout le tour, je vais tirer encore un petit peu sur le blanc, que ça reste bien fixe. On
On va coincer nos deux fils en même temps qu'on avance, on coupera après. Vous allez simplement tout ce tour faire une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. J'en perds mon français. Donc une maille serrée dans chaque maille du rang précédent sur tout ce tour jusqu'à la fin. Moi, c'est à ce stade où j'ai déjà coupé tous mes fils à l'intérieur, c'est plus simple. Pour le prochain tour, on va faire 4 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc on fait la première, on met bien notre repère, la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc on a 4 mailles serrées seules et dans la cinquième, on en met 2. Une, on revient dans le même espace, on met une deuxième. On repart pour 4 seules, 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, on en met 2, 1, 2. Et vous allez faire ce procédé sur tout le tour. Le prochain tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée, tout simplement sur tout ce tour. Donc on fait la première et on marque bien le repère, enfin on met le repère. Et là, vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce tour. Tout simplement une maille serrée dans chaque maille serrée du rang précédent jusqu'à la fin. Alors pour le prochain tour, on va faire 5 mailles serrées seules, 2 ensemble. Donc on va dans la première, on marque toujours la première, ça en fait une. On va dans la deuxième, 2, dans la troisième, 3. Quatrième, 4, cinquième, 5. Donc on a bien 2, 4, 5 mailles serrées seules. Dans la sixième, vous en mettez 2. Là, vous repartez pour 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées seules et 2 ensemble sur tout le tour. Alors, c'est ici à nouveau que je vais changer ma couleur. Donc, là, j'ai mes deux dernières mailles serrées ensemble. Je vais finir ma dernière maille serrée avec la nouvelle couleur. Alors, je laisse le rouge de côté. Moi, je reprends le blanc. Avec la nouvelle couleur, vous terminez votre maille serrée. Voilà. En même temps, donc, voilà, je vais coincer ces deux fils à l'arrière. Et là, on va simplement faire donc, une maille serrée dans la première. On met directement notre repère. Non. Vous allez faire tout simplement tout ce tour une maille serrée dans chaque maille serrée du rang précédent sans augmentation, sans rien du tout, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, on y est presque, vous inquiétez pas, on va faire 12 mailles serrées seules, donc une dans la première. On met notre repère. Donc là, je vais en faire 12 de suite. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous allez répéter ça, donc 12 mailles serrées seules et une diminution. Alors pour la diminution, on va prendre le fil qui se trouve, là on voit bien nos deux fils, on va prendre dans la prochaine maille donc que le fil à l'avant, on va dans la maille suivante que le fil à l'avant également, on prend les deux fils de l'avant, on ramène à travers les deux premiers, un jeté à travers les deux suivants, on a fait notre première diminution. Là vous reprenez une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 seuls et une diminution. Je vous remontre, on prend bien que le fil à l'avant de la maille suivante, celle d'après que le fil qui se trouve sur l'avant également, un jeté à travers les deux premières boucles, un jeté à travers les deux suivantes. Et vous allez répéter ça sur tout le tour. Pour le prochain tour, on va simplement faire une maille serrée dans
chaque maille serrée. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée du rang précédent sur tout ce tour. Et vous allez faire ça donc jusqu'à la fin, simplement maille serrée sur maille serrée pour tout ce tour. Là, on va attaquer le dernier tour. Le dernier tour, c'est ces petits motifs. Moi, les petits motifs, je vais les faire en rouge à nouveau. Alors, ma dernière maille serrée, je vais la finir avec ma nouvelle couleur. Là, je remets mon rouge. Comme ceci. Alors, je vais vous montrer une ou deux fois le procédé à suivre. Alors pour le dernier tour, on va passer la première maille, on va aller dans la deuxième et on va faire une maille serrée. Là, on n'a plus besoin de marquer la maille de départ, puisque c'est là où on va fermer, on n'aura pas le choix. Donc ici, on a passé une maille, on était dans la deuxième. On a fait une maille serrée. Dans le même espace où on vient de faire notre maille serrée, on va faire une demi-bride. Alors, vous faites un jeté, vous retournez dans la même maille et vous faites une demi-bride. Donc un jeté à travers les trois boucles en même temps. Toujours dans le même espace, vous faites un jeté et vous faites une bride. Donc un jeté les deux premiers, un jeté les deux suivants. Toujours dans le même espace, vous refaites une demi-bride. Un jeté à travers les trois. Et toujours dans le même espace, vous faites une maille serrée pour terminer. Là. Ces fils-là, par contre, après, il faudrait juste qu'on les cache, mais avec une aiguille. Pour la suite, vous allez à chaque fois, après avoir fait le motif, passer la première maille que vous avez devant vous, aller dans la deuxième, faire une maille serrée. Quand vous avez fait votre maille serrée, vous passez la première, vous allez dans la deuxième et vous recommencez votre motif. Donc, j'ai fait ma maille serrée, je vais faire dans le même espace une demi-bride, dans le même espace une bride, et dans le même espace à nouveau une demi-bride, et à nouveau une maille serrée pour terminer. Ensuite, comme on vient de le faire, vous passez la première maille que vous avez devant, vous allez dans la deuxième avec une maille serrée. Vous repassez la première, vous allez dans la deuxième et vous recommencez le motif. Donc une demi-bride dans le même espace, toujours le même espace, une bride. Là. Toujours le même espace, une demi-bride, et on finit dans le même espace avec une maille serrée. Vous passez la première, vous allez dans la deuxième, vous faites une maille serrée. Vous passez la première, vous allez dans la deuxième, vous faites une maille serrée, et vous recommencez le motif. Donc je vous montre une dernière fois, une demi-bride, le même espace, une bride, le même espace, une demi-bride, et le même espace, une maille serrée. Vous allez répéter ce procédé, qui est le dernier tour, jusqu'à la fin de votre travail. Quand vous arrivez, donc ici, vous allez fermer dans la première maille que l'on trouve ici avec une maille coulée. Coupez votre fil, et puis après, avec une aiguille à coudre, on va simplement les cacher à l'arrière. Donc voilà, là, on a terminé. J'ai caché mes fils. On a terminé le petit socle. Comme j'ai déjà le petit poussin qu'elle a avec l'autre, vous voyez le résultat, c'est super joli. Après les couleurs, les goûts et les couleurs, après c'est vraiment vous qui voyez. Là j'ai fait plus de tours en rouge, je me rends compte d'un coup que celui-là. Mais bon, c'est vous qui voyez, donc vous avez compris le principe. Alors maintenant on va donc faire le petit poussin qui va être un petit peu plus long à faire, mais le principe de base est exactement le même. Ce qu'on a fait pour le socle ici, je pense que vous avez compris quand je vous parle des augmentations et des diminutions. Donc je vais faire un peu plus court. Je vais vous l'expliquer au départ de chaque rang, puis je vous laisserai faire ensuite, pour que ce soit un petit peu plus court. Donc, pour le corps, si vous voulez adapter votre poussin pour le coquetier, comme je vous ai dit au début, si vous avez travaillé votre poussin, on va dire, avec le crochet numéro 3, et si vous ne voulez pas faire le socle, mais juste le poussin à mettre dans les coques autour du coquetier, vous faites avec un crochet plus petit, donc vous prenez le 2 par exemple. Si vous avez fait si vous avez fait le coquetier avec le 4, le poussin, vous faites avec le 3. Vous faites avec un numéro de crochet plus petit. Comme ça, en fait, le petit poussin rentrera directement dans les coques qu'on a déjà préparées sur le coquetier. Ça, c'est juste comme ça. Au cas où je vous donne l'astuce,
C'est vous qui voyez. Alors, on va continuer avec le cercle magique. Donc, toujours dans ce sens-là. On passe autour de notre doigt. Avec notre crochet, on va chercher le fil à l'arrière. Là, on va simplement faire une maille serrée pour accrocher le tout. À l'intérieur de ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va fermer notre cercle. Bon, là, vous avez compris que je vais un peu plus vite. Enfin, je pense que ça devrait être bon. Donc, 6 mailles serrées pour le premier tour. Le deuxième tour, on va doubler toutes nos mailles serrées. Donc, on a 2, 4, 6. On va en faire. On va dans la première. Ici, qu'on n'arrive toujours pas. On fait une maille serrée. On marque toujours la première parce que là, on va travailler tout le tour en spirale. On retourne dans la même, on fait une deuxième. Par la même occasion, je vais coincer mon fil à l'arrière, comme ça, j'ai plus qu'à le couper. 2 dans la première, 2 dans la deuxième. Et vous allez faire pareil sur tout le tour. 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On en avait 6, on en aura 12 à la fin. Pour le prochain tour, vous allez faire une maille serrée seule, 2 ensemble. Donc dans la première, on en fait une. On met le repère. Dans la suivante, on en fait 2. Et vous allez faire ce même procédé sur tout le tour. Donc, une maille serrée seule, 2 ensemble. Une seule, 2 ensemble, tout le prochain tour. Vous allez faire 2 seules, 1 ensemble. Donc, dans la première, 1. Toujours le repère. Dans la deuxième, une autre toute seule. Donc, on a 2 mailles serrées seules. Dans la troisième, on en fait 2. 1. 2. Et vous allez répéter ça sur tout le tour. Pour le prochain tour, vous allez donc faire la première maille serrée, on va la marquer. Ce tour-là, vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée, tout simplement. Pour ce tour, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a rien. Vous faites simplement une maille serrée dans chaque maille serrée du rang précédent. Pour le prochain tour, qui est logiquement le sixième, donc on a fini le cinquième, 1, 2, 3, 4, 5, on a fini le cinquième. Pour le sixième, on va faire 3 mailles serrées seules. Donc la première, on la marque toujours, je vous le montre toujours. Donc une seule, 2 seules, 3 seules, 2 ensemble. Une, même espace, 2. Vous allez répéter ce procédé jusqu'à le septième tour. On va simplement faire. Donc déjà la première, on va la marquer. Et là, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour. Tout simplement. Pas d'augmentation, rien du tout. Simplement une maille serrée dans chaque maille serrée sur tout le tour. Pour le prochain tour, on va faire 4 mailles serrées seules. Donc on met la première comme d'habitude, le marqueur. On va en faire 4 seules deux ensemble. Donc 2... 3, 4 seules, dans la cinquième, on en met 2. Et vous répétez la même chose jusqu'à la fin. Donc ici, on vient de terminer le huitième tour. On vérifie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, le neuvième, dixième, onzième et douzième, les 4 prochains tours, comme ça je vous laisse faire, vous allez donc faire une maille serrée dans la première. Toujours marquez bien votre première maille serrée. Et vous allez pour les 4 prochains tours, donc y compris celui-là, faire simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour. Là, on vient d'attaquer le 9e tour. Vous faites la même chose jusqu'à la fin du 12e tour. C'est tout simplement une maille serrée dans chaque maille serrée du rang précédent. Et on se retrouve à la fin du 12e tour. Je suis donc à la fin de mon 12e tour. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour le 13e, on va faire 4 mailles serrées seules et une diminution. Donc, la première, vous la marquez toujours. 1. Alors, je vous montre 1, 2, 3, 4 mailles serrées seules, une diminution. Donc, vous prenez bien. Le fil à l'avant, la maille suivante, le fil à l'avant, un jeté, vous ramenez à travers les deux premières boucles, un jeté à travers les deux suivantes.
Et là, vous repartez pour 4 seuls, une diminution. Vous allez répéter ce procédé tout. Quand vous avez terminé, donc 4 mailles serrées, une diminution. Pour le prochain tour, on va faire 3 mailles serrées et une diminution. Donc, vous marquez bien toujours la première. Donc, une maille serrée. 2. 3 mailles serrées seules et une diminution. Le fil à l'avant. On passe dans l'autre maille, le fil à l'avant. On ramène à travers les deux et à travers le tout. Et là, vous repartez pour 3 seuls et une diminution sur tout ce tour jusqu'à la fin. Alors, pour le prochain tour, on va faire 2 mailles serrées seules. Une, on marque bien la première. Une, 2 mailles serrées seules et une diminution. Donc, une, 2, une diminution en prenant bien le fil à l'avant sur les deux prochaines. Et vous répétez ça sur tout le temps. Vous avez terminé ce procédé, vous avez la possibilité de remplir le corps maintenant. Personnellement, c'est ce que j'avais fait pour celui-là à ce stade, sauf qu'honnêtement, j'ai trouvé très pénible ensuite de devoir continuer à crocheter avec la mousse dedans parce qu'en fait, ça se prenait dans le crochet. Donc moi, je ne vais pas la remplir à ce stade, mais vous pouvez très bien le remplir. Pour le prochain tour, là, on va commencer à augmenter à nouveau pour faire la tête. Le prochain tour, on va faire une maille serrée seule. On marque toujours bien la première. Une seule, deux ensemble. Donc une dans le même espace, une deuxième. Alors, une seule, deux ensemble. Et vous allez répéter ce procédé jusqu'à la fin. Pour le prochain tour, on va faire 8 mailles serrées seules. Donc une, on marque la première. Vous faites 8 mailles serrées seules et deux ensemble. Donc on a fait une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 8 seuls et 2, une et une deuxième ensemble. Vous allez répéter ce procédé sur tout le tour. 8 seuls, 2 ensemble. Alors, vous avez terminé ce tour de cette façon-là. Les 4 prochains tours, vous allez simplement faire 4 tours de mailles serrées. Donc, vous faites bien votre première et vous marquez bien toujours votre première maille serrée. Ensuite, vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée du rang précédent et vous allez faire ça sur 4 tours au total. Celui-là est le premier qu'on commence ensemble. On se retrouve à la fin du quatrième, qui logiquement sera le 21e tour. Donc, je vous laisse faire ce procédé sur les 4 prochains tours. On se retrouve à la fin du 21e tour, tout simplement en maille serrée. Voilà, donc, quand vous avez terminé les 4 tours, je vérifie quand même qu'on a bien 21 tours. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc on a bien 21 tours. Pour le 22e tour, on va commencer à attaquer les diminutions. Alors dans la première, vous faites une maille serrée. Toujours marquer la première. Vous allez faire 3 mailles serrées seules. Donc 2, 3 mailles serrées seules, une diminution. Le fil à l'avant, on passe dans l'autre maille, le fil à l'avant, un jeté, les deux premiers, un jeté, les deux suivants. 3 seuls, 1, 2, 3 et une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Prochain tour, vous allez faire 2 seuls, donc 2 mailles serrées seules et une diminution. Donc la première, la deuxième, 2 seuls, une diminution. 1, donc à nouveau 2 seuls, 1, 2 et une diminution. Et vous allez répéter ce procédé jusqu'à la fin de ce prochain tour. On va faire une seule, une diminution. Donc une maille serrée seule, j'ai perdu mon repère, elle est là. Une maille serrée seule, on marque toujours la première.
une diminution. Donc le fil à l'avant de la maille qui suit, le fil à l'avant de la maille qui suit, un jeté les deux premiers, un jeté les deux suivants. Une seule, une diminution. Et vous allez répéter ça jusqu'à la fin du tour, où ensuite on va remplir. Vous pouvez déjà remplir tranquillement le corps de votre poussin. Donc une seule, une diminution. Tout le tour jusqu'à la fin. Quand vous avez terminé, j'ai déjà rembourré mon petit poussin. On va pour le dernier tour, c'est simplement faire des diminutions. Alors vous allez dans la première maille, vous prenez que le fil à l'avant, dans la deuxième que le fil à l'avant, un jeté. À travers les deux premiers, un jeté à travers les deux suivants. On marque quand même la première, puisqu'ensuite on va fermer avec une maille coulée là. Pour le prochain, donc devant, le fil à l'avant, un jeté les deux premiers, un jeté les deux suivants. Et vous allez faire que des diminutions sur tout. Vous avez fait que des diminutions sur tout le tour. On va aller dans la première maille serrée où il y avait le repère, fermer avec une maille coulée. Là, on va laisser une bonne longueur, puisqu'ensuite, on va coudre encore un petit peu le haut du poussin. Donc, je vais attraper mon fil pour faire une dernière maille. Ensuite, avec donc une aiguille à coudre appropriée, on va simplement fermer encore le petit espace qui se voit à peine. Mais vous passez d'un côté, vous sortez de l'autre. Sans trop tirer dessus, pas que ça fasse trop fermé. Puis on va juste faire ça 2-3 fois. Voilà. Une dernière fois, ça devrait suffire. Alors ensuite, puisqu'on ne va pas le couper à cet endroit-là, moi personnellement, je m'introduis dans n'importe quel espace et j'essaie de sortir au plus loin. Faut pas trop tirer pour pas tordre notre petit poussin. Ensuite, on n'a plus qu'à couper tout ça. Et ici, on a déjà notre petit poussin qui va très bien dans son petit socle. Maintenant, il nous reste à coudre les ailes, coller les yeux et le bec. Alors, je vais vous montrer pour une aile et je vous laisserai faire la deuxième. Ensuite, pour coller, c'est à vous de voir l'écart que vous voulez laisser entre eux. Je vais voir sur l'autre combien j'ai fait. J'ai laissé 1, 2, 3, 4. J'ai laissé 4 mailles entre chaque œil. Et puis le nez, je l'ai collé juste un rond en dessous, au milieu. Alors, pour les ailes, personnellement, j'ai choisi le côté qui m'intéresse le plus, je dirais celui-là. Ensuite, voilà, c'est pour une fois que j'y suis arrivée. Donc, je passe dans le corps de mon poussin et je prends, quand je remonte, les mailles de son aile. Devant, je prends les mailles, je ressors de l'autre côté. Là, je vais faire dans l'autre sens aussi, donc je vais attraper un bout de son aile. Ressortir là et je vais faire simplement encore un petit un ou deux points encore de ce côté là voilà, donc comme je vous montrais, j'ai fait un petit peu sur les deux côtés. On voit que ça tient super bien. Alors maintenant, la seule chose que je vais faire, c'est simplement, comme on a fait tout à l'heure, c'est passer mon aiguille au plus loin sans trop tirer, parce que ça peut tordre un petit peu le poussin. Vous allez couper. Ça vous donne ça. Alors maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Ensuite, bien entendu, coller les yeux et le bec. Et vous n'aurez plus qu'à poser votre petit poussin dans son petit socle qui est adapté. Je vais finir le mien, je vous laisse finir le mien. Voilà, donc dès que vous avez collé les yeux, le nez et cousu les ailes, votre petit poussin est fini. Alors j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.